Salut à tous, c'est Arde Day, on se retrouve sur Office Management 101. Donc un jeu que je ne connais pas, hein. Je suis juste en train de faire le tuto et je me suis dit bah tu sais quoi, autant lancer avec avec les abonnés. Comme ça au moins ils pourront découvrir ensemble, hein. Ils pourront découvrir avec toi, c'est ce que je me suis dit. Alors là on a une quête, en gros si on finit en avance, donc en complétant on gagne 1355 en complétant ce contrat là. En gros c'est pour faire un contrat à la télé, ok. Il faut qu'on fasse le bouton pour éteindre, ok, donc en gros c'est pour une télé, il faut qu'on fasse le bouton éteindre, donc power pour éteindre la télé, ok, c'est ce gars là qui nous demande, et on va mettre des employés, donc je vais m'assigner, il faudrait un mec level 1, en toi je vais t'assigner, voilà, donc là du coup c'est lui qui va faire ce taf là, ensuite je vais demander à lui de chercher un nouveau taf. Donc hop, on va accélérer. Donc lui il va s'occuper du bouton, de designer le bouton, hein, tout simplement. Lui, alors, je sais pas ce qu'il fait, lui il est parti aux toilettes, je crois. Je vais demander d'écrire une documentation, mais je sais même pas trop à quoi ça sert, pour être honnête avec vous. Donc bon. Lui va bosser tranquillou, lui va me chercher un nouveau contrat, là je vais chercher de nouveaux employés. Donc on peut vraiment donner des quêtes un par un. Un gars par un gars. Donc bon. Lui m'a trouvé un nouveau contrat. Alors. Ah donc on a raté notre premier contrat. Ok. On a raté notre premier contrat, donc on est vraiment super naze. Ah non, il a raté de sa prise de contact. Ok, donc c'est pas grave. On va considérer que, bon bah l'erreur est humaine, hein, c'est des choses qui arrivent, donc c'est pas grave. Lui, il m'a trouvé quelqu'un d'autre. Donc tu vas t'arrêter. Et je veux vraiment que tu arrêtes de chercher de nouvelles choses. Hello Arde Day. Je peux pas sécuriser contrat avec Turn Off Electronics, mais je propose de... Ouais, donc encore une fois, c'est encore raté. Par contre, est-ce que toi, tu peux chercher de nouveaux contrats? Ouais, cherche de nouveaux contrats aussi. Voilà, donc le but du jeu hein, c'est d'ouvrir son entreprise, comme vous pouvez vous en douter, hein, comme je suis en train de faire à l'instant. D'ouvrir votre entreprise, de recruter vos designers, vos ingénieurs, etc. Et petit à petit donc, de remplir des contrats pour pouvoir, je crois, sortir son propre produit, il me semble. Je sais pas si on peut encore le faire, je sais pas. Faut que je verrai un peu. Je verrai un peu plus tard, je suis vraiment en train de faire la base de la base hein, du jeu, donc je peux pas vous dire. Andy Worker, donc non. Ok, alors toi. Ah super, nouveau contrat, c'est réglé. Ok, donc là on a deux nouveaux contrats qui s'offrent à nous. Très bien. Donc il y a le bouton... Ouais, pareil, donc là c'est encore le bouton off pour une compagnie de téléphone. Ok, je vois pas trop le rapport, mais on va considérer que c'est à peu près ça. Et là, ils veulent du coup un écosystème, donc un système économique pour le téléphone. Donc on va dire ok, il faudra un ingénieur. Un ingénieur, donc toi tu vas t'en occuper. L'ingénieur va s'en occuper. Et moi je vais m'occuper de ce contrat-là. Ah non, je voudrais pas l'annuler, je vais m'occuper moi-même de ce contrat. Donc là, on est vraiment trois gars sur trois contrats différents. Donc avec un peu de bol, on va peut-être pouvoir le réussir. Ça serait quand même pas mal, hein. Ça serait quand même super cool. Alors, hop là. Donc lui va bosser tranquillou. Ah, donc toi, t'as fini ton contrat. Ok, on a un qui a fini. Alors, hop, terminé. Contrat terminé, c'est où ça? Alors, je voudrais voir le tout à tous les contrats, même ceux qui sont terminés. Donc c'est toi, du coup. On va dire ok, Hello Arde Day, merci sincèrement. Donc en gros ils sont d'accord, ils sont ok, on a gagné un petit peu d'argent, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je vais continuer à bosser de mon côté. On va continuer à bosser tranquillou. Non non non, je veux pas passer de journée, juste accélérer un peu le mouvement. Donc là tac, ça devrait se finir. Donc là normalement tous les contrats qu'on a trouvés devraient être bons. Donc on a un cadeau, on va pouvoir le placer, je vais ouvrir le cadeau. Oh c'est une décoration de Noël. On va le mettre ici, ça me dit bien. Donc toi tu... Ok, donc contrat, qu'est-ce que ça donne? Donc là c'est terminé. Et l'un des days, merci. Donc on a respecté la deadline, donc on a de la deadline, donc on est bon. Toi du coup, Marvin est nul. Hein. Marvin est juste vraiment super nul. Il avance pas en fait, il avance vraiment pas. Donc j'ai remplacé plutôt, moi-même j'ai remplacé. Toi qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un level 1 en ingénieur. Et toi tu es ingénieur, donc normalement c'est bon, on va inverser les contrats, peut-être que ça t'aidera. Et toi tu vas continuer, le manager va continuer à chercher. Et par contre juste un truc. Assigne la chaise, je vais l'assigner à moi-même, voilà. Je veux la meilleure chaise pour ma pomme, ce qui est normal, hein. Je suis comme le patron, donc bon, logiquement, je suis comme censé avoir la meilleure chaise. Donc, première journée terminée. On peut pas dire qu'on est nul, on peut pas dire que c'est bien. On peut pas dire qu'on est nul, mais on peut pas non plus dire que c'est bien. Voilà, on va dire que c'est le début. C'est la base de la base. Donc, on pourra débloquer une nouvelle fourniture de bureau. Donc là, ils ont l'air d'être plus ou moins contents, hein. Franchement, ils ont l'air d'être plus ou moins contents. On a rempli un contrat. Ok, est-ce que j'ai entendu ça? Marvin aime bien machin et Oliver déteste Marvin. Ok, donc en gros, il y a déjà des bastons dans la boîte. Ok, très bien, je vois le délire, c'est pas grave. Oh, ok, stop. Donc toi, t'as déjà terminé ton contrat.
Donc moi-même, on va considérer que... C'est bon, ils ont l'air d'être contents. Donc j'ai pas eu de bonus, mais j'ai gagné un peu d'XP, donc c'est pas grave, c'est pas bien grave. Quelqu'un qui est bon pour tester, j'ai personne pour tester. Est-ce que je peux engager quelqu'un d'autre? Non, j'ai pas de testeur, ok. Donc je vais dire à mon pote, donc moi-même, de chasse... Oh, chasseur de tête, je voudrais un manager, je voudrais du coup un testeur. Minimum level 1, voilà, je peux considérer que je veux un testeur niveau 1 pour débuter. Voilà, donc lui va commencer à faire un peu de... Une fois qu'il aura fait le ménage, parce que c'est pas trop mais fait le ménage quand même. Hein. On peut pas dire le contraire, donc hop. Son petit pissou. Par contre, il faudrait qu'on engage aussi quelqu'un pour nettoyer, il n'y a pas photo. Donc janitor, on engage. Tac. On va mettre ici. Donc hop, elle va aller bosser, normalement ça devrait aller, tac. Elle va s'occuper que du ménage. Faire le café, etc. aussi, je pense. Les feuilles par terre, ça serait bien que quelqu'un les ramasse. Donc je sais pas à quoi ça sert les paperwork. Franchement, je sais pas encore trop pour l'instant. Je pense que ça va être important, j'imagine s'il y en a, c'est que ça va être important. Alors, oh là là, attends, langage des signes. Alors indicate, ça indique qu'ils ont un problème urgent, ça indique que la personne est ready pour level up, ça veut dire qu'elle a besoin d'engager la discussion, de dormir, et ça veut dire qu'elle a besoin du patron pour trouver une décision, d'accord. Ingénieur, testé, design, communication, ouais, ok. Bon, on avait plus ou moins compris ça pour le début, hein. Donc on est bon, on n'a pas besoin d'être plus guidé que ça. Je vais juste mettre en place une... Ouh, le testeur, voilà, super, on va l'engager. Ah, par contre, du coup, je perds de relation avec l'écosystème. Bah, l'engage quand même, tant pis. Moi, ça me va très bien. Donc, par contre, faut qu'il déconne des endroits où aller bosser. Donc, c'est fait, normalement, là, ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Juste mettre une table, ici. Une table moyenne qu'on va mettre, genre, ici, voilà. Juste là. Et ça sera pour s'occuper de tout ce qui est paperasse. Donc, je sais pas à quoi ça sert, la paperasse. Je vois pas trop ce que ça change. Je sais pas, on va regarder ce que ça donne. On avance. Est-ce qu'il y a besoin de quelqu'un pour la traiter, la paperasse? Je sais pas, franchement j'en sais rien. Allez les gars, on est dimanche, ouais, on est, on va aller jusqu'à lundi, voilà. Il bosse pas le week-end, hein, ce qui est normal, hein, pour le coup. Ok, stop. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, là. Qu'est-ce qui se passe? Hello Andy Day. Donc j'ai versé le salaire, c'est pas grave. Enfin, c'est ok même. On a embauché un testeur, donc ils sont contents. Là, on a raté un contrat. Là. Ah, donc j'ai débloqué un autre contrat, peut-être. Ah, donc il y a Carrie qui déteste Oliver. Donc Oliver, il est pas aimé par tout le monde, hein, Oliver. Hein. Je sais pas ce qu'il a, Oliver, mais il a pas l'air de plaire beaucoup. Ok. On peut considérer que c'est pas mal pour le moment, on s'en sort. On a l'air de s'en sortir quand même convenablement. Alors, écosystème, ça serait bien qu'on ait quelqu'un. Alors, testeur, on va mettre toi, du coup, sur ce projet. Ouais, je pense que ça va être bon. Quelqu'un pour designer. On avait un designer, hein, il me semble. Hein. Voilà, donc ça va être toi en design. Oliver, mon designer. Puis là, je pense qu'on est bon. Ah, il manque un testeur, mais j'ai déjà mis un testeur ici. Ouais, il demande beaucoup de tests. Design, on va mettre quelqu'un de bon pour design, donc moi. Voilà, on va faire plusieurs contrats à la fois. Je pense que ça sera plus que bien. On va continuer un peu. J'essaie de voir tous les autres boutons aussi. Hein. Donc là, ah, donc toi, je peux te level up normalement. Level up. Tu vas safe managing. Ou alors basique, je vais devenir ingénieur aussi. Ou alors fast, ouais, on va dire qu'il double l'XP de gain. Ou alors capable de choisir et d'assigner une équipe. Oh, j'ai pas tout compris mais ça a l'air d'être pas mal. Donc on va le prendre. Moi du coup je level up, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Work junkie. Ah, donc en gros je peux rester plus longtemps en taf. Ou alors garde un œil sur tous les slackers et là. Produit moins de paperwork, on va le faire. Juste un truc qui m'étonne, c'est je vais acheter une chaise. D'abord je vais acheter une chaise. Donc là par exemple, tac. Et comment je vais faire du coup? Imaginons que je vais demander, je sais pas, à un gars par exemple. Non, il peut pas s'en occuper, hein. Je vois pas un rapport avec la paperasse. Est-ce que ça serait à mon PDG de le faire? J'en sais rien. Je sais pas, franchement, je peux pas vous dire. Donc là on a réussi à... Ah pardon, excusez-moi, petite erreur Windows. Donc là on a réussi à finaliser un contrat, donc là on est bon. Alors, en plus on a 60% de chance d'avoir un cadeau si on le réussit, donc ça serait quand même pas mal ici. Donc on valide. Ok, je vais rien donner de plus à mon gars.
Est-ce que, donc ça c'est Karim et ça c'est moi, est-ce que moi je peux faire... Ah, why documentation, c'est peut-être ça du coup par rapport à... Je sais pas ce que c'est qui écrit en documentation. Ah, documenta... alors ça génère des points d'expérience. D'accord, ok, pas de problème, ça me paraît pas mal, ça génère en gros des points d'expérience pour la compagnie. Ouais, mais pour l'instant on est en négatif, donc je voudrais cherche pour des nouveaux employés, voilà. Je pense qu'il faut, ça serait bien qu'on se bouge un petit peu plus. Donc un nouveau contrat terminé, ça c'est pas mal. Un nouveau contrat trouvé aussi. Ok, un nouveau contrat, qu'est-ce que ça donne? Donc toi tu l'as terminé? Est-ce que t'es contente? On va tarder à être content. On va gagner un petit peu d'XP. Un nouveau cadeau en plus, donc on pourra l'ouvrir aussi. Ah, c'est un ordi portable. Bah l'ordi on va le mettre là en attendant, voilà. On pose l'ordi par terre. On nous offre un ordi, on le met par terre, nous on s'en fout. On a plus un date carré, ouais, c'est plus notre problème. Alors, level 2 en management. Donc toi, peut-être tu vas pouvoir gérer ce contrat là. Et puis moi du coup je vais... Il y en a un qui va rien faire du coup dans l'histoire, bon c'est pas grave. Donc toi on va considérer que c'est bon, t'as validé ton contrat. Donc hop on va aller là. Est-ce que ça donne ça? Ouais, deadline respecté, donc là on est bon hein. Franchement on a plus 1500 et quelques donc on est bon. Ah une poubelle, bon la poubelle on va la mettre là, ça me paraît pas mal parce que je n'avais pas acheté donc on est bon. Donc toi du coup ça serait bien que tu arrêtes, donc reviens là, finis ce que t'as à faire. Et après, ce qui serait bien, c'est que tu cherches un nouveau contrat, du coup. Cherche un nouveau contrat, parce que là, on va être en galère de ouf. Donc, bon, cherche un nouveau contrat. Voilà, super, t'en as trouvé un. Il y en a trouvé un. Ok, alors. Tac. Qu'est-ce que tu me fais? Un contrat de design. On en a un designer, là. Donc, ça va être Olivier. Tac, tu vas retourner bosser. Voilà. Moi, j'en laisse pas de temps. J'en laisse zéro temps. Donc, c'est... Ah! Ah, super. Alors, pour la satisfaction de... Alors, attends. Pour la satisfaction de tous les managers... tous les employés qui sont attribués optimisent hein. Ah ok, donc ça génère du paperwork, ok. Ah ok, donc en gros il faut qu'on les stocke, on peut pas les réduire, donc c'est plutôt pas mal. Ça peut être pilé, d'accord, ou faut enfermer dans des boîtes, d'accord. Et en gros ça sert à quoi? D'accord, donc en gros ça permet d'avoir de... Donc, ok, donc c'est vraiment d'expérience, très bien. Je vais acheter ce qu'il faut du coup pour gérer ça. Donc ici, il m'a dit qu'il fallait des boîtes. Ils sont où les boîtes, là les trucs, là ça me saoule, ils sont où? J'en vois pas. Ça c'est juste pour les bathrooms. Alors peut-être qu'il faut que j'améliore des choses, que je fasse des recherches, j'imagine. Donc ils s'aiment bien, Oliver, personne de tête, personne n'aime Oliver. Franchement personne n'aime Oliver, donc ça la fout un peu mal. Là on va dire quoi? Donc là oui ça c'est ok. Alors comment je peux... Parce que là je vois rien hein. Franchement fourniture Ah oui donc là c'est tout ce qui est verrouillé. Ok donc il y a des nouvelles chaises etc. Alors comment on peut faire pour verrouiller des choses? Les dettes on en a pas, les compagnies on est neutre avec certaines personnes. Donc on est bon. Ah, on peut débloquer une nouvelle fourniture, ça vaut 10 ça, la prochaine fourniture, ok. Ouais, enfin 10 ça la fout un peu mal quoi. Vas-y, continue à chercher des contrats toi, il nous faut du taf. Hein. Tu vas trouver un autre contrat? Ça serait quoi? Ah, pour un ingénieur. Je crois qu'on avait un ingénieur il me semble, qu'on en avait un. L'ingénieur est là, boum, tu vas retourner bosser tranquillou. Bon, en tout cas, chaque gars un taf dans notre boîte, donc ça c'est quand même pas mal. Ah donc ça peut être mis dans des boîtes directement. Ok, et les boîtes peuvent être rangées quelque part. Ok, on peut considérer du coup que on a une petite boîte. La boîte je vais la mettre là, je pense. Toi, paperwork, on va la mettre ici. Je comprends pas toi. Move. Ah c'est pas additionné, ok. Et toi tu me dis ouais, en gros on peut pas l'additionner. Ok, très bien. Pourquoi ça fait pas une boîte comme l'autre du coup? J'ai pas trop capté, bon c'est pas grave. Bon pour l'instant on a des plus ou moins bons. Ah voilà, c'est en train d'expliquer du coup. C'est en train de tout m'expliquer. Ok, donc ça c'est quand même pas mal. Alors, en gros, on gagne de la réputation. Ils peuvent échanger ses points de réputation. Contre des points d'expérience, ok. Attends, d'accord. Bah ok, je comprends. Bah ça j'avais compris, mais un peu plus tard. En fait, c'est bien toutes les questions qu'on se pose, ils nous les donnent. Un petit peu plus tard, donc c'est quand même cool. Donc là, on va débloquer tout ce qui a 2 étoiles quand on en aura 5. Mais pour l'instant, c'est pas ça.
la priorité. Donc là on est déjà en retard, hein. Sur ce projet là on est déjà en retard. Ce serait quand même pas mal qu'on s'y mette aussi et qu'on se concentre un petit peu. Ok, est-ce qu'on a un testeur? Je crois qu'on a embauché un testeur. Donc il y a un testeur qui est là, on va pouvoir le faire aussi. Et je vais arrêter du coup de chercher des nouveaux contrats. Toi tu vas arrêter. Et je vais faire en sorte que tu puisses faire un contrat, hein, qui a pas encore été pris en charge par quelqu'un. Comme là, notre designer, tac, on va s'en occuper. On est bon, donc là ils vont tous bosser sur un contrat différent. Enfin du moins je l'espère. Ce qui devrait logiquement... Super, un contrat de résolu. Alors c'est lequel? C'est celui-là. Celui-là, on est vraiment à la bourre sur celui-là. Quel est le contrat qu'on a réussi? Celui-là. Ok. Est-ce qu'il y a un autre contrat? Un testing. Testing, on a personne pour tester. On a pas si on a un ingénieur, donc on va le mettre au taf. Là on n'a pas d'autres personnes testing. On a... Ouais, il faudrait d'autres testeurs, je pense. Hein. On a un designer qui est disponible. Ok. Je vais embaucher un autre gars. Il faudrait. Ok, on n'a pas d'autres CV, donc il va falloir que. Donc là je bosse là-dessus. Je finis mon contrat. Tac, terminé. Ouais, donc on a respecté la deadline. Hein, la deadline. On va considérer qu'on est bon. Donc toi, tu vas faire des recherches, hein, directement. Tu vas chercher des nouvelles personnes, parce que là, on est en galère de ouf. Toi, t'as besoin d'aide, du coup? C'est quoi ton problème? Alors, attends. Tac, tac. Ok, donc il avait juste, je crois qu'il pouvait juste pas s'asseoir, je crois. Alors là, il va se faire un besoin urgent, ok. Je sais bien, mais là, on a trop de contrats, du coup, maintenant. Avant, on n'avait pas assez, maintenant, on en a trop. Donc, ça serait quand même pas mal qu'on arrive à tout faire. Alors, toi, hop, on valide. Donc, je sais qu'on va être à la bourre, par contre. Donc, c'est pas qu'on est à la bourre, c'est qu'on a un problème de qualité. En gros, ce qu'on a fait était vraiment nul. Donc, on a perdu un peu de relation avec eux. Bon, ça, ça la fout un petit peu mal, mais on peut considérer que c'est pas mal. Problème qualité, pareil aussi, on perd vraiment trop de relations avec eux, donc il va falloir que je bosse à fond sur la qualité. Ingénieur, toi, tu vas bosser là-dessus. Testing, il n'y a pas quelqu'un ici, tu vas tester là-dessus, ça va être pas mal. Et puis après, je pense qu'on a tous, on a du monde partout, donc ça devrait être bon. Alors toi, on va te level up. Dis-moi tout, self-managing, non. Énergétique, énergie plus 20, non. Double XP, non, on va mettre... Ouais, si on va mettre que t'apprends vite, voilà, pour doubler ton XP, on peut considérer ça comme ça. Ouais, donc en gros, il est pas très content. Alors, au niveau des CV, on a un testeur. Tac, on valide. C'est une espèce d'alien bizarre, mais on peut considérer que c'est un testeur. On va se mettre aussi, du coup, peut-être plus de tables. Donc, genre toi, par exemple, on va te mettre ici. C'est pas mal. Voilà, tac, on va te mettre, du coup, l'ordinateur qui est là. Move, on va le mettre ici, comme ça tu pourras utiliser, comme tu l'entends. Hop, ordinateur, on va en mettre un autre là, on va faire deux places de plus. Et on va mettre des chaises. Je pense que ça va être bien pour tout le monde. Bye another, tac, voilà, là je pense qu'on est bon. Tout le monde a ce qu'il faut. Alors, il va nous falloir du coup, tu m'as dit des testeurs, donc là on est bon. Bah du coup on a peut-être pas assez de contrats. La qualité est pas bonne du tout, on va valider quand même, tant pis on n'a pas le choix. Ok, donc là débloqué, ah super, les fournitures à deux. Yes, c'est bon. Donc là, on a plus de choses. Beaucoup plus de choses. Donc une meilleure chaise, déjà. On va le mettre à la place de celle-ci. Bah non, on peut pas, du coup. Ça m'embête. Alors, du coup, on va dégager ça. On va le vendre. Et on va augmenter les chaises. Les chaises, ça va être beaucoup mieux pour tout le monde. Tac. Voilà. Et je pense que là, franchement, tu peux te faire plaisir. C'est pour moi, c'est cadeau. On a 36 000 $. Donc on est bien, hein. On est bien niveau thune. Alors, PC, ouais, on va changer d'ordi aussi. Donc, tac, on va vendre. Alors, attends. Par contre, est-ce que je peux tout vendre? Hop, je vends tout. Les ordi. Dommage qu'on puisse pas tout vendre d'un coup. C'est vraiment dommage. J'aurais voulu vraiment avoir un bouton pour tout vendre. Être tranquille. Ou alors un bouton pour mettre à jour automatiquement tous les trucs. Peut-être que ça va se faire, je ne sais pas, mais bon. PC. On peut considérer que c'est pas mal. Ah, d'accord, donc ça prend deux... Ah oui, d'accord, donc ça prend deux... D'accord, ok, j'avais pas compris. Donc là, ça prend du coup deux bureaux. D'accord, d'accord, oui, d'accord, là, ça la fout mal. Ah, j'avais pas pensé à ça, par contre. Ça la fout un petit peu mal. Du coup, ça va... Oui, bah, oui, ok, donc on va mettre quelqu'un là, du coup. Hein. Cette chaise-là, on va la vendre. Toi, du coup, ouais, bah... Je voudrais attendre qu'il... J'aurais dû attendre qu'il s'en aille. C'est dommage, mais tant pis. Bon, c'est pas grave. Alors, on va acheter déjà des ordis pour tout le monde. PC...
Ah, ça la fout mal, franchement, j'avais pas prévu le coup. Et ça la fout vraiment mal. Ouais, donc là, ouais, il va falloir qu'on fasse un effort. Donc, le laptop, on va le vendre. Je vais acheter un autre ordi. Déjà aussi, avant de m'emballer, autre ordi, ici, comme ça au moins c'est réglé. Et surtout, on va acheter une autre table. Ah, les tout ça pour ranger les papiers, donc ça va être plus que bien, je vais en mettre un là. Et un là, pour qu'ils puissent ranger les papiers tranquillou. By another, donc ça va être bon. Je vais acheter encore, peut-être encore une table. Où se trouvent les tables? Ah, on peut aussi changer les tables. Ah oui, oui, du coup, oui. C'est pas possible. On va considérer que ça, c'est bon. Toi, on va te vendre. Du coup, on va considérer que toi, t'es vendu. Toi, on va considérer qu'on va te bouger. On va te mettre juste ici. Cette table-là, du coup, on va vendre la table. L'ordi, on va le mettre ici. Tac. Donc, où est la table? La fameuse table, elle est où? Elle est là. Voilà, on va même en acheter plusieurs, tu sais quoi, on va même en acheter plusieurs by another, ici. Pourquoi tu peux en acheter plusieurs? On va déjà mettre une table ici aussi, ça va être pas mal. By another, ici. By another, là, voilà, là on va être plus que bon, là, c'est beau ça. Donc j'ai move, le bouger là, tac. Ensuite, toi, je vais en acheter un autre. Ah non, c'est pas la table que je voulais changer, c'était l'ordi. Donc l'ordi, by another, on va en mettre un. Là, encore un autre. Voilà. De quoi avoir 3 ordi. Là, normalement, on est plus que bon. On va vendre aussi. On va attendre la fin de la journée pour commencer à gérer tous les problèmes. Déjà, il va nous faire des tables aussi. Des chaises. Il va nous faire des chaises, j'avais oublié. Donc, on a des chaises de bureau maintenant. Donc, ça va être déjà beaucoup, beaucoup mieux. Donc, là, on va te mettre devant. Tac. On peut considérer. Qui était devant ton clavier. Normalement on est bon, ça libère 3 places de plus. Donc les gens devraient pouvoir bosser tranquillou, sauf eux, ils sont en train de déconner à fond là. Ils comprennent pas. Work Junkie, non. Non, pas de manager. Donc on va dire que t'es un Work Junkie, tu vas pouvoir bosser plus tard le soir. Voilà, je trouve que c'est déjà plus que bien. Au niveau des contrats, du coup, qu'est-ce que ça donne? Des contrats, on a la rage partout. Hein. C'est pas bien du tout ce qu'on fait là. Donc là ouais. Je vais attendre la journée. Ah oui, je t'ai pas mis d'ordi, toi, j'avais oublié que je t'ai pas mis d'ordi. Donc, by another, et hop, t'auras un ordi ici. Voilà, c'est pas mal. Là, tu peux bosser tranquillou, tu peux bosser même plus que peinard. Donc, la chaise, on va la vendre. Je vais acheter une superbe chaise de bureau, du coup. Voilà, hop, chaise de bureau. On fit chair, on y est. Voilà, et au moins, t'auras une belle chaise de bureau, ce sera déjà beaucoup mieux. Alors, la pile de paperwork, on va la mettre... On va faire un tas ici, toi, ici, toi, ici, et ce sera déjà plus que bien. Voilà, une boîte. La boîte, on pourra la mettre dedans, et toi, dedans aussi, voilà, donc les deux boîtes sont faites. Au moins, c'est réglé. Et la pile de papier, on va la mettre ici en attendant. Voilà, donc là, ils sont tous en train de bosser. Et toi, c'est quoi ton problème? Pourquoi t'es pas encore contente? Déjà, on va faire un truc très simple. On va considérer qu'on a tout lu, voilà. On est bon, on accélère le temps. Ah, lui, du coup, il devait chercher des contrats, mais il peut plus chercher de contrat, là, pas d'ordi. Ok, ok, il va te comprendre. On va attendre que tout le monde se barre. Voilà, je pense que ça va déjà être plus que bien. Donc, on va mettre sur pause. Toi, on va te move. Si, on peut te laisser là, c'est pas un problème. C'est plus toi, je voulais move. Voilà, on va te move. On va te mettre ici. Voilà, on va considérer que c'est pas mal, là. Et on va remettre, donc déjà, en tout, on va te dégager. Celle. Et je veux... Je veux du coup une nouvelle table, on va pouvoir mettre là. Je veux aussi une nouvelle chaise de bureau. Tac, on va pouvoir installer ici. Du coup, toi, on va te move en face de l'écran, ça sera beaucoup mieux. Toi, du coup, on va te move ici. Maintenant, il faut un nouvel ordi. By another, tac. On est en train de vraiment moderniser toute notre boîte là, hein. Ça devrait être beaucoup mieux. Donc là, pareil, tac, la vieille chaise, on la vend. Toi t'as rien à faire ici. Il a rien à faire. Le grand as a rien à faire en mode oh qu'est-ce que je fous là, bah tu m'étonnes. C'est pas grave, on va dire que c'est bon. Ok, après on va compter les postes de travail aussi. On va compter les postes de travail. Donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement on devrait être bon hein.
Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, bah pourquoi tu... Ah, est-ce que t'as pas de taf, à mon avis, c'est surtout pour ça. Donc, designer. Il y a du testing, il y a de l'ingénierie. Ah, il nous faut un manager, donc toi, tu vas aller là-dedans. Tac, le manager, faut qu'il aille bosser là-dessus. Ça va être plus que bien. Donc, toi, tu vas arrêter de chercher des employés, mon pote. Par contre, j'aimerais bien que tu ailles chercher des nouveaux contrats. Je pense que ça devait être plus que bien. Et toi, tu seras... Non, on va considérer qu'Oliver est trop nul pour l'instant, donc on va considérer que c'est pas mal déjà comme ça là. Donc logiquement ils peuvent tous travailler hein. Normalement il n'y a pas de raison que ça s'arrête hein. Ils ont tous un ordi pour, donc logiquement ils peuvent tous bosser. Ok. Ah, il y a quelqu'un qui m'aime bien, il y a quelqu'un qui m'aime bien, ok c'est cool, il y a quelqu'un qui m'aime bien, je suis content parce que j'ai cru qu'à un moment on détestait tout le temps. Ingénieur, pour l'instant je suis tout seul, je suis seul gars de dispo dans ma team. Ouais, il faudra peut-être un autre ingénieur, est-ce que j'en ai d'autres à recruter juste pour voir. Bon, CV, j'ai un designer. Ouais bah non, designer c'est pas ouf, alors continue à venir ici. Et ça est-ce qu'on peut le... Est-ce qu'on peut le réparer ça, non? Non, je crois pas qu'on puisse le réparer. Ah, peut-être handiworker, c'était ça du coup. Ah bah non, tant pis. Tant pis, c'est pas... On va considérer que c'est pas mal. On avance tranquillou. T'es embête pour la machine à café, je vais la vendre. Je vais la jeter et je vais en acheter une autre. Voilà, parce que moi je suis tellement de pognon que je peux jeter les choses. Je suis comme ça, moi. Je suis friqué, y a pas de problème, machine à café. Tac, ici, voilà. On est bon, donc là j'étais à... On a moins 2 500 $. Pour la journée, mais en même temps on a fait beaucoup d'achats, donc ça m'étonne pas plus que ça. C'est pas quelque chose qui me move. J'ai l'impression que ce paquet là il est bugué par contre. Parce que vous voyez, normalement il devrait pouvoir s'additionner avec celui-ci, mais il veut pas. Et je peux pas le mettre ailleurs, donc j'ai l'impression que ce papier là il est bugué. Parce que normalement je devrais pouvoir au moins rajouter le dernier, histoire de faire une boîte, mais ça n'a pas l'air de fonctionner, donc c'est pas grave. Ok, donc là ils repartent tous bosser. Ok les gars, repartez tous au taf. C'est bien les gars. Ils ont tous un contrat à remplir. Donc normalement c'est... Ah, il y en a un d'ailleurs qui vient de remplir son contrat. Et c'est toi. Tu vas l'envoyer. Ok, donc la deadline tu t'as pas respecté. Mais d'ailleurs on a même perdu de l'argent avec cette histoire. Bon, au moins t'auras pris un peu d'XP, c'est pas bien grave. Alors ingénieur, personne en tant qu'ingénieur. Ingénieur, toujours personne. Faudrait que j'engage un autre ingénieur là. Ça devient très compliqué. Donc on va en embaucher un. On a personne, on a qu'un designer, ok. Donc c'est pas grave. On a notre ingénieur qui est là, voilà, vite qu'il termine son taf, voilà, termine-le vite. Alors toi tu fais quoi du coup? Ah c'est la janitor. Tu vas... C'est quoi méthodologique? À une routine systématique ou alors est vachement motivé. On va mettre que t'as une... On va dire que t'es une méthodologie, ouais, ça peut être pas mal. Toi tu vas envoyer ton truc au client. Alors qu'est-ce que ça donne? Ouh, deadline t'as respecté, bah c'est bien, on va être payé à fond. Donc c'est pas mal, bonne chose de fait, eh ben... C'est une poubelle, encore les poubelles, on va la vendre la poubelle du coup je pense là. Je pense qu'on va pouvoir la vendre. Alors, on peut pas la vendre, on peut que l'acheter, bah je vais l'acheter, c'est pas grave. Jeter une poubelle ça fait bizarre, mettre à poubelle une poubelle. Ok, tac, 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 ok. Est-ce que quelqu'un a d'autres contrats? Donc l'ingénieur, on va considérer que oui. Il nous manque encore un ingénieur, il faudrait que quelqu'un recherche aussi des contrats là. Hein. Toi c'est ce que tu fais. Ok. Pour l'instant on est bon. Ok, donc stop, toi tu fais ton contrat tranquillou. Tu vas l'envoyer. Est-ce que tu l'as réussi? C'est la question. Donc, niveau qualité, t'es pas bien. T'es nul à chier niveau qualité, mais on a quand même gagné de l'argent, donc c'est pas grave. Enfin c'est pas grave si on a perdu des relations, mais on peut considérer que c'est pas grave. Quant à moi, du coup, dans l'histoire, je voudrais chercher. Un ingénieur au moins niveau niveau 1 pour l'instant, j'ai que ça à faire donc vas-y on va foncer, on va dire que c'est bon. Parce que là niveau ingénieur ça devient compliqué hein. Ça devient très très compliqué même. Alors CV. On accepte l'ingénieur. Hop, on l'accepte, on le met ici. Voilà, on devrait être bon. Donc là au niveau des contrats, l'autre ingénieur on va le mettre ici. Je pense que ça va être bon. Maintenant il nous faut le maximum de contrats. Toi t'as janitor, tu te reposes peinard, hein, donc la celle qui est censée nettoyer. Ouais, on va considérer que c'est bon. On va considérer que c'est à peu près bon. Moi, du coup tu vas chercher pour des nouveaux contrats aussi, vas-y. Fais-toi plaisir, fais des recherches aussi de ton côté. Ouais.
Ok. Pour l'instant, on se repose tous. Donc, on aura fait 2600$ de casino, 2926$ en une journée. Donc, ça devrait être pas mal. Mais on a payé 2700$. Donc, on est quand même en positif. Je crois que ça, c'est la balance. Ouais, donc c'est normal. Donc là, on part à 2500, donc on a fait 2900, quasiment 3000$ de bénéfices. Là, on repart à 2560 en négatif puisqu'on vient de payer les salaires. Donc maintenant, il faut qu'on les rembourse, entre guillemets, les salaires. On va dire ça comme ça. Tac, 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 on valide tout, 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 tout. Allez, dégage. Voilà, dégage. On va faire le maximum de contrats. Marvin, normalement, a fini son contrat. Au niveau de la deadline, on est bon. Et toi, pareil. Donc là, on va tous les payer à rien faire. Donc on a intérêt à vite trouver des contrats, rapido, parce que je vais pas les payer à rien faire. Mais c'était emballé, j'étais embauché trop de monde, hein, j'ai l'impression. Écoute, tu vas créer une documentation en attendant pour nous faire gagner des piles de papier. Tac, paperwork. Là, paperwork aussi. Tac. Ah, donc c'est deux piles qu'il faut qu'on mette. Ok, je viens de comprendre. C'est deux piles qu'il faut qu'on mette pour en faire une grosse. Ok, donc c'était pas un bug, j'ai rien dit. Ils ont tous raté en fait, c'est normal qu'on ait pas de contrat, ils foirent tous ces cons là, donc ils sont tous en train de foirer. Encore un contrat raté, c'est pas grave, on va considérer que c'est bon. Allez, trouve-moi un contrat s'il te plaît là. Par contre, j'aurais voulu qu'on puisse développer notre propre produit, ça aurait été kiffant de vendre et tout. Là, vu comment c'était parti, ça m'aurait fait kiffer. Mais j'ai l'impression que c'est pas possible dans le jeu. On va arriver au Monday du coup. C'est bon, ni au lundi. Allez les gars, trouvez-moi des contrats, s'il vous plaît. Faites un effort. Super, on a trouvé des contrats, quelques-uns. Pas de ouf, mais quelques-uns. On a deux contrats. Alors un ingénieur, niveau 1, on va te prendre. Et toi, il te faut un testeur, niveau 1. Bah, on va considérer. Toi, t'arrives bientôt niveau 2. Donc on va considérer que c'est une mission pour toi. Bah, ok, on fonce. Allez les gars, encore des nouveaux contrats. Je veux qu'on rentabilise ça à fond les gars. À fond, à fond, à fond. Je pense qu'il faudra un autre manager pour qu'il m'aide à chercher d'autres contrats aussi. On va mettre sur pause, il est où le manager? Donc là il y a moi. Là c'est un ingénieur, lui il fait popo. Là c'est une nettoyeuse, on va appeler ça comme ça. Toi t'es un ingénieur. Toi t'es un testeur. Ok. Mais où est mon manager? Il s'est barré? Ou par contre bah tiens, je level up. Alors safe managing, non. All monitor. Ouais, height motivation. On va mettre safe managing, je pense que ça peut être pas mal. Je vais embaucher un autre manager s'il y a moyen, parce que là on est en galère. Ah c'est barré, mon manager c'est barré, c'est surtout pour ça aussi que je suis en galère je crois. Janitor, engineer, CEO, ouais c'est ça, ok. Donc là il faut que j'embauche un manager. Aussi pour ça, donc c'est pas grave, on va dire que toi tu vas arrêter, tu vas faire de la hit hunt, je vais en manager niveau 1. Ça me coûte 1 en point mais c'est pas grave. Trouve un manager vite qu'on embauche, direct. Ok donc là les deux contrats normalement sont validés. Et là on va ils vont pas être contents, mais au moins ils sont un peu thunes, c'est pas grave. Donc toi tu level up, tu seras testeur, méthodologie, ouais une méthodologie, ou alors tu seras un peu ingénieur aussi. On va considérer que tu seras un peu ingénieur, vas-y. On va dire ça comme ça, si un jour on a besoin d'un multitâche, hein, au moins on sait ce qui se passe. Retourne à la maison toi. Ah, allez vite, un manager. Oh yes, on embauche un manager, même si on perd de la réputation avec elle, c'est pas grave. Toi, tu vas nous trouver directement des nouveaux contrats. Voilà, direct. Au moins deux, on va gagner du temps. Toi, du coup, tu vas continuer à nous chercher des nouveaux contrats. Et ça sera plus que bien. Vas-y, continue. Voilà, on va considérer que c'est tout bon. Oui, on va tout supprimer au passage. Ça fera du bien à la boîte mail, hein, comme on dit. D'ailleurs, fait intéressant, je crois que c'était si tous les Français prenaient le temps, je crois, de supprimer 10 de leurs mails dans l'année, je crois qu'on économisait je sais plus combien de kilowatts d'électricité, et on peut le 10 fois moins, parce que du coup les serveurs de Google pour les Gmail, etc., prennent j'espère combien de pollution, enfin bref polluent je sais pas combien de fois, enfin je sais pas l'unité de mesure de la pollution, mais en gros polluent beaucoup. Et si chaque Français prenait le temps d'effacer rien que 10 de leurs mails dans l'année, bah là ça pourrait en gros faire gagner beaucoup, beaucoup de temps à la planète, on va dire. Ça c'est une information que j'ai apprise il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça dingue. Alors, hop, on va te mettre avec celle-là. Voilà, super, ça fait une boîte. Voilà, donc là on peut considérer hein, que du coup... Ah non, tu dégages. Tour King Car, ah, super. On peut considérer du coup que là, il va nous faire plus de casiers bientôt là. D'ailleurs, on va en acheter tout de suite des casiers, au moins ça sera fait. On va en acheter plein, genre... Comme ça, voilà, juste à côté. Ça bloque bien le passage. On est tranquille comme ça, au moins c'est officiel.
Et on va en mettre un peu même là aussi. Là, ça va bloquer le passage. Là, ici, on va en mettre un là. On a une place de libre, donc autant en profiter. Ok, les gars, trouvez-nous des contrats. Mais vous êtes nuls, par contre, niveau contrat. Franchement, ça me... Oh, il y a King... Zelda me déteste. En même temps, Zelda déteste tout le monde, je crois aussi, la connasse. Oui, je suis en mode vénère. Je me fâche quand on me déteste. J'aime pas quand on m'aime pas, tout simplement. Là, on va avancer au mardi. Je pense qu'on va être bon. Donc, ouais, le jeu est franchement cool. Hein. Il n'y a pas photo, le jeu est vraiment sympa. Ouais, bon, j'ai perdu un peu de thunes, mais c'est... il n'y a pas mort d'homme. Allez, trouver des nouveaux contrats. J'en ai au moins un, super. Stop, on va être sur pause. Designer, non. Non, c'est pas toi qui vas t'occuper de ça. Du coup, ouais, je me suis mis en tant que assigné en tant que designer direct, mais non, c'est pas tout ce que j'aurais dû faire. On va... J'ai pas envie de l'annuler, du coup, le contrat. Mars, je me suis coincé tout seul. Donc, ouais, parce qu'on peut assigner. Donc toi, tu seras... Je vais t'assigner en tant que... Voilà. En tant que... testeur, toi... T'es en train de faire quoi, du coup? Working, il travaille sur quoi du coup lui? Ok, stop. Stop, stop, ça va trop vite là, je suis largué. Alors, merci pour le travail. Merci pour le travail. Ok, on va considérer que c'est bon. Ok, on avance. Il nous faut d'autres contrats là. D'autres contrats il nous faut. Super, on a trouvé quelques-uns. Non, toujours rien. Oh là là, on est nul. En fait, on n'arrive pas à trouver de contrat, c'est ça le problème. Bon, on n'est pas en galère de thunes non plus. Hein. On a 928 et on est toujours en positif. Donc c'est pas. C'est quand même pas mal. On peut pas dire le contraire. Donc là, elle est encore foirée. On est encore foiré. Ah, ils sont nuls. Ils sont nuls dans cette boîte. Ah, enfin, contrat. Ah non, même pas. Si, contrat, non, ça a raté. Est-ce que j'ai entendu ça? Il y a au moins quelqu'un qui aime bien Zelda, c'est déjà ça. Là on a complètement raté. Bah écoutez, je pense que du coup c'est déjà pas mal pour une petite présentation. Hein, vous avez pu voir l'étendue du jeu. La démo est disponible gratuitement sur itch.io. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.